bienvenue à tous et à toutes à une petite vidéo gaming pour pas changer. Je pense que je vais approuver pas mal de vidéo gaming. Ah, ce petit jingle. J'ai eu une petite jouissance sonore à l'instant là. Donc, bon. Ah, je dois jouer sur clavier là. Bon, je vais faire une petite coupure et je vais télécharger un autre émulateur pour pouvoir jouer sur manette. Ouais. À de suite. Et c'est reparti pour Alien. Le jeu, bon, j'ai reprogrammé un peu l'émulation et tout au niveau de l'émulateur pour 2-3 trucs. On est prêt maintenant. Ah, j'aime pas trop la présentation, c'est dommage. Acclaim. Pas de la présentation d'Acclaim, mais l'autre de Fox. Je préfère la présentation de Fox de Alien vs Predator qui était beaucoup plus drôle. Ça faisait tout avec des bruits Nous là. avons perdu le contact avec la colonie LV-426. Prenez Gorman et son équipe pour mener l'investigation. Personne ne doit apprendre que la compagnie a délibérément contaminé la colonie dans le but de récupérer des spécimens aliens au-delà de la quarantaine ICC. Oui, messieurs. Il est aussi impératif que vous obteniez la confiance de Ripley. Connais les xénomorphes et nous aurons besoin de son aide pour en capturer un vivant. Bien compris. Bon, sachez aussi que les hommes de la division des armes biologiques ont l'ordre d'éliminer les intrus. Bien entendu, ils ne connaissent pas les objectifs de votre mission. Watson, passez par là. Bonne chance, Ripley. Système connecté, code de sécurité. Ça y est, nous y sommes. Prenez garde, les gars. Alien Alors, Alien Trilogy, qui est un jeu qui est sorti il y a un bon gros paquet de temps. Alors, difficulté. On met en normal. Incoming Data Transfer. C'est marrant parce que c'est à moitié en anglais, à moitié en français, c'est bizarre. Vous devez dégager l'entrée pour faciliter le passage des Marines. Déplacez ou détruisez les caisses et les barils qui bloquent le passage. Notez que votre 9 mm sera inefficace sur les barils. Vous devrez trouver d'autres moyens de destruction. Oh, les réflexes. Oh, les... J'aime bien la zik. La zik, elle est pas mal. Bon, bien sûr, tout à l'heure, j'ai testé vite fait le jeu, hein. Donc le premier niveau, je le connais un peu.
Ok, il est mort. Ah non, 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 non! Ok, il faut faire attention à l'acide. Alors, si vous connaissez pas les films Alien, avant d'être des jeux, c'est donc des films. Et les aliens ont une particularité, c'est que leur sang, c'est de l'acide. Et donc dans ce jeu, ils ont poussé le vice à faire en sorte que quand vous marchez sur les cadavres, vous avez des douleurs atroces, comme quoi le sang vous picote les pieds. Alors pourquoi ce jeu j'ai envie de le faire ou le refaire? C'est parce que ben, je ne l'ai jamais vraiment fait. Il y a des années, j'avais. Oula, 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 oula. T'es où? Putain! Le gameplay, il est chaud. Hein. Il est clairement pas facile parce que ben, je joue sur une sorte de manette PS1, quoi, donc. J'aurais pu prendre l'émulation sur PC, mais je me suis dit que si je veux avoir une chance de gagner, ce serait bien que je le fasse en émulation PS1. C'est sûr, clairement, il est moins beau, mais donc on a la map. Alors, ok. Je sais pas trop ce que c'est que les points bleus. Je vais aller voir ce que c'est que les points bleus. Est-ce qu'il y a un point bleu par ici? Voyons voir. C'est les caisses. Ça, c'est les caisses. Ok. Les points bleus, c'est les caisses. Mais je sais pas comment on fait. On peut les ouvrir, on peut faire quelque chose. Non. Ok. Bon, il y a un petit truc, je vais juste faire option. Non, je sais pas. Bon, c'est pas bien grave. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il faut. Ok. Ok, on peut péter les caisses en fait. Ok. Oh, enculé. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Tiens, crève. Oh merde, je croyais qu'il était mort. Ok, très bien. Donc on peut clairement péter les caisses. On a des belles surprises des fois dans certaines caisses. Ok, très bien. D'accord, en gros, les points bleus, c'est ces caisses-là. Et je suppose que l'objectif, c'est de péter un maximum de caisses pour récupérer un maximum d'énergie ou autre. Donc, l'histoire, si je l'ai compris, est toute simple. Je peux pas faire demi-tour. Donc, l'histoire est toute simple, hein. A priori, c'est une équipe qui arrive sur LV246, si je ne me trompe pas, pour péter la gueule à un maximum de xénomorphes. En gros, c'est l'histoire de Alien numéro 2, celui que j'aime le moins. Alors pourquoi je l'aime moins le 2? Clairement, c'est l'adaptation plus du 2, celui-ci. A priori, il s'appelle Alien Trilogy. C'est que, si je comprends bien, c'est on va donc frôler l'histoire du 1, du 2, du 3. Bon, là, j'ai pas bien l'impression de refaire l'histoire du 1.
couleur. Clairement, il n'y a pas autant d'aliens. Mais c'est pas bien grave, vous me direz. Par contre, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est mes yeux. Non, non. Je veux juste être sûr d'un truc. Ok. Ah, ça, c'est pénible de marcher sur l'acide. Alors, tout à l'heure, j'ai. Donc, comme je vous disais au début, tout à l'heure, j'ai essayé un peu le jeu, je l'ai mis en facile. En facile, c'est clairement facile. Hein, ça porte bien son nom. Ouais, c'est pas le mode facile réellement. Mais... a priori, on peut pas marcher sur l'acide. Parce que je me suis mis dessus, sur les ennemis, et ça me faisait pas de douleur ou autre. Donc, apparemment. Il n'y a pas le problème de l'acide qui vous picote très fort les pieds pour vous tuer. Donc ça, c'est pas plus mal. Ouais, non, c'est clairement, il n'y a pas du tout ça. Vous me direz, c'est pas plus mal. Donc normalement, j'ai fait tout. Ok, on a mis sur... Ok. Ok, okay. Bon, on est bon. Allez go, on est reparti ou pas? Allez, on est reparti. On va essayer de ne pas trop marcher sur l'acide, chose que j'adore faire a priori. On va essayer de tuer tous les aliens et avoir un score de 100%. Par contre, ça c'est très pénible de marcher sur. Ok, bon, a priori j'ai terminé le niveau. Donc pourquoi ce jeu? C'est parce que quand j'étais petit, ce jeu m'effrayait beaucoup. Voilà, clairement il m'effrayait beaucoup. Mission 100%. Bon, ok. Et Alien, j'ai pas tué tous les aliens. Bon, oui, tant pis. Ok, memory card, save. Bah là c'est le mode facile, là c'est le mode normal. Bon, on va continuer en mode normal pour le moment. Et puis voilà. Je regarde à combien de temps je suis d'émulation. Allez, on se fait le deuxième niveau. Continue game. Ensuite, le deuxième niveau. Allez, go. Donc, ouais, quand j'étais petit, il me faisait très très peur ce jeu. Je me souviens de mes cousins qui jouaient ce jeu et en fait, ben, je me chiais dessus. En fait. J'avais très très peur. Et donc j'avais jamais osé regarder les films à l'époque. Maintenant, ça fait partie du moins le 1 d'un bon film. Le 2, j'aime pas du tout. Le 3, c'est des suites, c'est mon préféré. Votre objectif est de localiser la salle principale et d'activer les trois panneaux de contrôle. Vous pourrez alors pénétrer dans la base, ramasser toutes les charges sismiques que vous trouverez. Elles vous permettront de détruire certains murs. Les X sont cool. Oh merde! La bande son, elle est monstrueuse. Elle est vraiment cool le bande son. Ok. Donc là, il faut que je trouve le. Ben, il faut que je trouve. Ok, très bien. Un truc que j'avais, qui m'avait impressionné, c'est surtout pour ça qu'il me faisait peur ce jeu quand j'étais petit, c'est les morts. On peut mourir de beaucoup de manières et elles sont toutes mises. Comment dire? Mise en cinématique. Bien sûr, d'époque, maintenant c'est très laid. Mais c'était magnifique à l'époque. Et ça faisait vraiment très très peur.
si on peut pas aller. Et je me souviens, mes cousins, ils avaient à peu près mon âge. Ils jouaient déjà à ce jeu-là et moi je l'avais pas. J'avais pas la PS1 à l'époque. Et c'est vrai que ce jeu m'effrayait beaucoup. Mettez-vous à la place d'un gamin qui n'a pas la console, qui n'a rien de cette génération 90. Il était un peu impressionnant quand même pour l'époque ce jeu. C'est normal aussi que j'avais peur. Et puis ces bestioles là, putain, sont dégueulasses, bordel. Et puis c'est sombre. Dieu que c'est sombre. Alors, courir, c'est R2, a priori. Oui. Ah ouais, on est replay. Hein. Oh merde! On est Hélène Ripley, on n'est pas... On n'est pas un Ashley Williams. Faut que je me barre de là, il y a du sang partout. La première fois dans un jeu que je fuis le sang. Sismic charge, ok. Le seul truc que j'aime vraiment beaucoup dans le film Alien, Alien numéro 2, Aliens, si vous préférez, le seul truc que j'adorais, c'était ça en fait, ce bruit. Voilà, vous l'entendez pas, il y a la zik, c'est dommage, mais c'est le radar en bas à droite, tweet, tweet. Ah, je sais pas du tout si vous le voyez du coup, niveau du retour. Parce que je crois que j'ai la caméra à cet endroit là. Je sais pas si vous voyez. Attendez 30 secondes. Théoriquement, vous devrez le voir. C'est très très pénible cette histoire de sang là. À chaque fois qu'il y a du sang, vous prenez des hits et ça c'est assez pénible. Donc on peut pas ouvrir. C'est clairement c'est un Doom, hein. C'est un Doom-like. Je pense que le jeu il était assez mauvais à l'époque. Mais en fait c'est un bon jeu, hein. Ça a l'air d'être un bon jeu. Hein. Le peu que je connais de ce jeu là. Hein. Ouais, il est maintenant il est moche le jeu bien sûr, très clairement. Mais bon, franchement. Allez. Ouais, ok. C'est marrant la map me dit comme quoi j'ai vu l'endroit, mais je l'ai pas vu cet endroit. Ok, ici là c'est une zone à la Tomb Raider. Pas, a priori ou pas, plutôt, parce que je croyais que ça se s'arrêtait de temps en temps. Non. Oh. J'ai quasiment fait le tour en fait du niveau. Ouais, j'étais persuadé que ça s'arrêtait et puis ça se reprenait. Bon, je sais pas, j'ai dû halluciner. Ok. Bah, je sais pas où il faut que j'arrive. Bien sûr, c'est un jeu d'époque, hein. Donc c'est-à-dire que c'est à vous de trouver votre chemin. Il va pas vous mâcher le travail, vous dire allez là, non.
Il n'y a pas, c'est pas un Call of Duty. C'est pas du tout un Call of Duty. Et tant mieux, hein. Tant mieux, parce que j'aime pas ce. Là, on est d'accord, ça vient de s'arrêter là. Oh, j'hallucine. Hein. Oui, bon, ok, j'ai tiré 2-3 balles pas au bon endroit, mais bon, vous allez m'excuser quand même. Ouh, on peut péter ces caisses-là aussi. D'accord. Oh merde! Ah, ça, c'était pas prévu, ça, les enfants. Comme bête, ça. Yes, ok. Bon, je viens de là, je crois. Ah, j'adore les jeux d'époque, c'est que quand t'es paumé, ben t'es paumé, mec. C'est pas toutes les caisses, hein, c'est que certaines caisses qu'on peut péter. Voilà, bien sûr, hein, le jeu il est très très moche maintenant. Mais pour l'époque, je pense qu'il passait bien, graphiquement. Hein. Ouais, il passe bien. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Putain, je suis où là? Eh merde, c'est chiant ça, l'acide! Par contre, c'est typique de ces jeux de. Oh! Il n'y en avait pas d'ennemis ici tout à l'heure! Enfin, si, il y en avait, mais je les avais butés quoi! J'ai légèrement stressé là. Légèrement. Bah voilà. Ça me va bien, il m'avait manqué un truc à faire. Putain, j'étais persuadé d'avoir. Attends, je vais bien vérifier. Hein. Ah. Tiens, je suis allé trop vite. Désolé, je fais perdre du time. Et on se casse. Donc, théoriquement, les portes qu'on peut ouvrir, c'est les trois qui sont au-dessus. C'est ça, j'ai ouvert trois portes là, pour l'instant. Je sais déjà plus ce que je fais. Moi. Clairement, c'est pas comme dans le film, hein, parce que pour tuer les xénomorphes, il en faut un petit peu plus quand même. Normalement. Cette porte elle est ouverte, elle était rouge tout à l'heure. Il y a une sorte de recul, ça c'est bien fait. C'est que en fait quand tu tires, t'as ton perso, qui est donc Ripley, qui recule légèrement. Donc ça c'est bien fait, c'est un petit détail qui passe bien. Ah, j'ai un petit alien qui est passé par là. Par contre les bébés aliens là, les facehuggers, ils sont clairement chiants. Il y en a partout dans ce jeu. Tu m'étonnes que j'avais peur quand j'étais petit. Alors attends, MB, je veux aller là. Non, je peux pas. C'est marrant parce que j'ai tiré, il est mort bien après. Il y a peut-être un petit temps de latence, je sais pas, c'est bizarre. Pour le moment, le fusil à pompe, il me plaît bien.
De toute façon, c'est mon arme fétiche dans beaucoup de jeux, c'est l'arme que j'aime le plus dans les Doom et tout ça. Ok. Ok, bah fini. Bon, mais tant bien. Hein. On va sauvegarder. Save. Save. Eh ben. Ok. Eh bien, ah, section 1, level 3. Ok, très bien. Bon, ben, je vais m'arrêter ici. J'espère j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, plus ou moins découverte de Alien Trilogy, que je compte faire en entier sur ma chaîne. Et je vais essayer d'abreuver pas mal de vidéos. Je ne sais pas si je vais alterner, en fait. Hein, parce que je vais entamer plusieurs jeux et plusieurs jeux que je vais faire comme ça en direct. Voilà, là je vais faire un autre jeu du coup. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Et là où on est, on dit matané. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo si ça vous a plu, tout ça. Et j'espère que le son, il est très bien. Normalement, il est bien de mon côté. Moi, je l'ai vérifié. Voilà. Il est toujours très bien. Allez, à plus!